C'est l'histoire d'un couple, banal, mais qui choque. Une vie loin d'être souple, avec des gestes qui dégoûtent. Des vies dont on se moque, une histoire qui suffoque. Toutes ces heures assassinées à chaque fois avec quelques coups de pourquoi. Des coups très forts et en trou, ce qui enfoncerait des portes. Toutes les réponses sont des mythos, mais lui les supporte. Parce qu'il y a au moins un dialogue. Ses phrases sont comme une drogue. Ses sons sont si souvent si silencieux, mais ils sonnent toujours creux. Comme un arbre rongé par les termites, ou comme le récit de certains mythes. Il voit tous les je t'aime en fuite, et il croit s'en approcher avec une aiguille dans le bras et une bouteille dans la main. On ne répare pas une histoire avec une cuite, on ne recolle pas les morceaux avec du shit. Il ne comprend pas ses erreurs, ses mauvais pas, il est plongé dans une peur qui borde ses beaux draps. Une nouvelle séance de questions, inutile et à répétition. Comme le refrain d'une chanson, mais au premier couplet de la relation. Les réponses se font rares et les suspicions sont nombreuses. Les solutions arrivent en retard pendant que les sentiments s'égarent. Et quand viennent les colères fiévreuses, les coups de poing d'interrogation sont troqués pour les coups de poing de solution. Les réponses ne sont plus des phrases, mais des cris dans une détresse. C'est ce con qui les écrase avec son manque de tendresse. Les voix ne sont plus les mêmes. Ses sentiments sont trop bruts. Il commet un blasphème quand il lui hurle des insultes. Cette femme était pourtant son culte. Les citrouilles ne font pas des carrosses, mais les coups font un des bosses. Avalanche de phalanges sur le visage, ça rapproche l'ange de ses nuages. Elle va bientôt s'éteindre, il aurait dû l'étreindre. Mais donner des coups, donner de l'amour, c'est pas une simple erreur de parcours. Il connaissait son corps par cœur, et par peur qu'elle s'en aille, qu'elle franchisse le portail sans revenir à ses côtés. C'est sa vie qu'il a ôtée. Ils n'osent plus croiser le regard du miroir. On peut pas ranger son passé dans un tiroir. On peut éviter le sujet, mais pas l'histoire. Il l'a tuée par désespoir, avec des coups de poing de soumission, des coups de poing d'interrogation, des coups de poing d'exclamation. Je vous laisse sur mes points de suspension.